Mesdames, messieurs, bonjour. Tous les journaux relayaient le désastre. Défaite de l'entente, la France en deuil. À la une de chaque quotidien s'étalent les gros titres. Les 900 000 soldats de l'Axe ont triomphé. Ils ont vaincu l'armée française. Paris tombe le 11 septembre, malgré la résistance des Parisiens. 27 000 soldats français sont morts. La France est anéantie. Échec et mat. Poincaré doit signer l'armistice. Pas d'indemnité de guerre à payer, pas d'occupation, comme en 70. Mais la France doit céder un quart de son territoire. Du nord à la Franche-Comté, c'est le Reich. Les poteaux frontières s'enfoncent dans le sol de l'abri. Trop près de Meaux. Les Français, deux fois vaincus, les Français humiliés, accusent la République de les avoir conduits à l'échec. Une monarchie parlementaire est rétablie en 1920. De l'autre côté des poteaux, un immense Reich s'édifie. L'Empire allemand devient la première puissance mondiale. Il rivalise avec les États-Unis. On produit, on vend, on spécule et soudain, la bulle éclate. Lundi noir, 29 décembre 1931. Voyez, à Berlin, ces foules enragées dans les banques en faillite. Entendez, ces millions de paysans, leur colère, plus d'acheteurs pour leur blé, qui pourrit sur place. Et pourtant, ce cri terrible, du pain. L'un après l'autre, les États voisins basculent, emportés par la crise. On accuse les juifs, ils sont responsables. On vilipende la bourgeoisie capitaliste avide, responsable. Et dans la nuit du 15 février 32, un coup d'État mené par Karl Liebknecht renverse l'empereur d'Allemagne. Les terres de tout le Reich sont collectivisées. L'Empire devient l'URSA, Union des Républiques Socialistes Allemandes. Et vous le savez, les contestataires sont gentiment envoyés dans des camps de rééducation. Mais Karl Liebknecht veut une ouverture musclée à l'ouest. En mai 1940, l'Angleterre est attaquée. Les États-Unis, en quête d'hégémonie, entrent dans le conflit. Rappelons-nous, les nuées ardentes, les bombes qui embrasent le ciel. La mer crache des corps sur la plage. Et puis, le 5 août 44, les Américains larguent sur Berlin une nouvelle bombe. Une bombe nucléaire. Des millions de morts. Anéantissement, capitulation, désolation. En 14, la victoire allemande n'a pas rendu le monde meilleur. Machiavel le disait bien, la soif de dominer est celle qui s'éteint la dernière dans le cœur de l'homme. Si la France a perdu ce jour-là, ce qui est advenu est terrifiant. Mais c'est en septembre 1914, les Français l'ont emporté. Les Allemands ont reculé. Demain est un autre jour. Merci de m'avoir écouté.